Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour avec Normie qui est de Gaming Family et qui est niveau 8, ça fait plaisir. Bon alors, petite bonne chance, alors ce qu'on va faire c'est très simple, on va envoyer le petit molosse de lave, comme d'habitude, c'est vraiment la seule manière, quand on a le molosse de lave on l'envoie direct, c'est toujours comme ça, comme ça on fait un petit tank dès le début et généralement ça passe, ça casse tout, il y a des fois on fait du one shot, bam. Bon sur la première tour, hein, pas la troisième, parce que la troisième c'est vrai que c'est un peu moins one shot, hein. C'est rare quand ça arrive, non c'est même jamais en fait. Il y a que quand la personne qui joue pas en fait que ça arrive, tu vois. Donc tu vois un petit peu le niveau. Je me suis un peu trop précipité pour les flèches. Ça va, j'ai pu tuer les facilement tout. Ouh, mais attends, ça passe bien là. Eh, ça passe plutôt bien. Et on va se faire du Valky cochon, mon gars. Regarde ce qu'on va faire du Valky cochon. Tranquille. Regardez-moi ça. Valky cochon, il va tout casser. Il vient d'envoyer masse de machin. Il va défendre quoi sur le Valky cochon? Et va défendre que dalle. Et voilà. Mais je suis trop un BG, mon gars. Regarde-moi ça. Je lui détruis la tour. Une attaque, je lui détruis la tour, mon gars. T'as vu ça un peu? Oh là là, c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, on va envoyer les archers. Et on va envoyer tranquillou. Ah, bon, on va envoyer du molosse de lave, tiens. Hop là, molosse de lave. Boum. Hop là, t'as le deck là. T'as le deck. Est-ce qu'il avance le sorcier? Ah, il avance pas. Malheureusement, il avance pas. Bon, c'est pas très grave. J'aurais préféré qu'il avance, mais bon. C'est vrai que j'aurais dû tirer les flèches finalement. Ah, je suis un peu teubé. Bon, alors, bien joué. J'aurais dû envoyer les flèches, c'est moi qui ai mal réfléchi. Voilà. Normalement, j'envoie les flèches. Je sais pas ce que j'ai foutu. En tout cas, bien joué à lui. Attendant. Est-ce qu'on lui prend 3 étoiles ou est-ce qu'on prend 2 étoiles? Ça serait plus simple de prendre 2 étoiles et 3 étoiles après. Ouais, on va faire comme ça. On va envoyer du Soso. On lui a toujours pas envoyé le Soso, hein, donc... Alors là, par contre, il a fait une gaffe. Il aurait mal, alors strictement pas dû. Mais gros, mais j'ai les flèches, gros. Comme ça. Pouf. Hop là, c'est fini. Ça va pas plus loin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça donne quoi, là? Ah bah voilà. Oh là là. Et la boule de feu qui vient de tirer. Et puis moi, j'envoie des archers. J'envoie... du Soso, allez, on envoie du Soso. J'adore ce Soso de glace là. Ce sorcier de glace, je l'adore. On va envoyer ça. Regardez-moi ça, l'archer là qui vise tranquillou. Pepperoni, elle se fait plaisir, l'archer. Tu vois, elle détruit la tour à elle-même. Y'a pas de soucis, mon petit. Oh, regardez-moi ça là. Oh là là là. Bon, allez, c'est parti, on va prendre 3 étoiles. On a autre chose à faire. On passe bien s'embêter bien longtemps. Alors, ouais. On va envoyer du. Du chaussure de cochon, hein. De toute façon, il est mort donc. Envoyer du chaussure de cochon tranquillou. Ah, est-ce que ça passe ou pas? Allez, stoppé, laisse-moi le 3 étoiles, gros. T'es mort, de toute façon, t'es mort. T'as pas de tour, t'as rien. Vas-y, laisse-moi le 3 étoiles. S'il te plaît, franchement, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, mais regarde-moi, s'il a pas laissé le 3 étoiles, espèce de méchant. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais laissé le 3 étoiles. T'as plus aucune chance, plus rien et tout. T'as plus de famille, t'as plus rien. T'es perdu. T'es un loser. Bon, je vais peut-être un petit peu trop loin, là. Non, jure, c'est vrai. Non, je rigole, bien entendu, c'est pas vrai. Ah ouais, je te jure, franchement, il y a des fois. Bon. Et bon, on s'est fait plaisir. On s'est fait vraiment plaisir. Là, franchement, avec Normie, là, on s'est fait des barres, là. Oh là, je t'envoie du... Enfin, je t'envoie du... comment ça s'appelle? Du molosse de lave. Après, je t'envoie du Valky cochon, le bon vieux Valky cochon, qui casse une tour à eux tout seul. Oh là là, franchement, ils sont inséparables. Enfin, rarement séparables. Ils sont vraiment rarement séparables. Enfin, le mieux, c'est de les mettre ensemble, quoi. Bon, après, c'est vrai que ça peut être facile à contrer, mais malgré tout, ça fera du dégât, quoi qu'il arrive, quoi. Orson, c'est vraiment bon, le mec, hein. Il défend très bien, dans ce cas. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sur ce. Je vais vous dire dans une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.